Bonjour, bonsoir à l'heure des informations sur la télévision Pacifique. Voici les points qui dominent l'actualité. Au moins deux véhicules incendiés, une quinzaine d'arrestations et deux blessés, les locaux de plusieurs sous-commissariats de police attaqués, des entreprises vandalisées, c'est le bilan partiel de la mobilisation antigouvernementale du 30 septembre dans le pays. Le COG Group, une structure composée de représentants de la communauté internationale favorable au dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place en vue de trouver une issue à la crise. Toute l'activité est toujours paralysée dans la capitale et ses périphéries ainsi que dans plusieurs régions du pays en raison de la poursuite de la mobilisation de l'opposition contre le régime en place. Les citoyens reprochent aux agents de l'ordre d'avoir sauvagement réprimé la manif du 30 septembre dans la capitale. Selon eux, la police a fait usage de balles réelles pour les disperser. Rareté d'eau et de carburant dans la capitale et ses environs, des résidents qui mettent en cause les troubles sociopolitiques appellent les protagonistes à résoudre leurs différends. À l'étranger, en France, l'ex-président Nicolas Sarkozy sera fixé mardi sur un renvoi en correctionnel dans le cadre de l'affaire Big Mation. Le premier élu républicain du Congrès américain à avoir soutenu Donald Trump dans sa course à la Maison-Blanche, Chris Collins, désormais inculpé de délit d'initié, a démissionné lundi selon un porte-parole de la présidence de la Chambre basse. Restez branchés pour plus de précisions. En général, moun pa rime pran assurans. Yo konsidere ke son lajan rejete. Et pourtant, l'ajan assurans te dwe nan budget ou akote l'ajan kay ak l'ajan manje. Li la pou li dou travès son mouvè pa. Gade tout à côté ou. Ou awe kouman gros problème kon antre sou moun sans attendre. Mande Dieu pardon, ça arrive ou tout. Il y a assurance di ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si ou pas de jam konnen ou. Il y a assurance a prit à faire ou pou l'di ou, continuer vivre la vie ou, quitte ce coup là nan men ou. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres. Voici le développement du journal. Des représentants de la communauté internationale regroupés au sein de la structure baptisée COG Group se prononcent en faveur du dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place en vue de trouver une issue à la crise. Une position exprimée suite à une rencontre le 30 septembre à Pétionville entre cette organisation et les dirigeants de l'opposition, dont Edgar Leblanc, fils de l'OPL. Une démarche rejetée de revers de main par ces derniers. Toutes les activités toujours paralysées dans la capitale et ses périphéries ainsi que dans plusieurs régions du pays en raison de la poursuite de la mobilisation de l'opposition contre le régime en place. Dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, telle Delma, l'avenue John Brown et le centre-ville, le transport a nettement fonctionné au ralenti. Ce matin, l'école, les supermarchés et les banques commerciales n'ont pas repris leurs activités. À la rue Lambert à Pétionville, des barricades enflammées étaient remarquées sur la chaussée. L'activité économique sont censées au point mort pour la troisième semaine consécutive, alors que l'exercice fiscal touche à sa fin. L'exécutif va utiliser à partir du 1er octobre le même budget reconduit depuis 3 ans. Sur la route de l'aéroport international à Toussaint-Louverture, les agents de l'ordre ont effectué une quinzaine d'arrestations. Les individus tentaient de se livrer à des actes de vandalisme. Au carrefour de l'aéroport, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène un premier groupe de manifestants qui s'apprêtait à retrouver d'autres protestataires dans l'optique de se rendre à Pétionville. Des tirs nourris ont été entendus à cet endroit. Un journaliste de Radio Sans Fin RSF blessé a été évacué à l'hôpital Bernard Meuse en vue de se faire soigner, alors que Mario Sylvain, journaliste de Radio Télé-Pacifique, a été atteint d'une pierre au bras. À Delmar 95, l'ensemble de manifestants a été repoussé par les agents de l'ordre.
Des citoyens reprochent aux agents de l'ordre d'avoir sauvagement réprimé la manif du 30 septembre dans la capitale. Ils ont indiqué que la police a fait usage de balles réelles pour les disperser alors qu'ils s'exprimaient pacifiquement. Leur déclaration au micro de Nancy Constant et David Mercius. Depuis la police m'arrête, ils sont venus écraser les manifestations, ils ont parlé de manifestations à Albertville. Nous sommes en face de la police c'est la force légale qui est dans le pays. Mais en face du peuple, ils sont venus entourer nous. On manifeste ça, on même laisser qu'à fois, on ne sorti pour nous, nous connaissons tout ça, je venais le faire dans le pays. Et nous connaissons les petits peuples là-bas à manger, si les soleils sont les cochons à manger, donc nous ne sommes pas capables de nous sortir pour nous, nous avons un mouillé pour nous, je venais. Alors, je dis à la manifestation, comment c'est réunir sur place Papa des Salines, et nous démarrer avec une foule immense, et est-ce que nous arrivons sur la lune, en bas lumière, si nous avons un gaz, une grasse manifestation, malgré ça, nous recommençons encore, nous passons en Delma 24, nous tombons sur Delma, lorsque nous arrivons sur Cafo Aéroport, nous avons un pile gaz. Et nous disons que nous dénotifions la police pendant 10 jours après maintenant pour nous manifester jusqu'à ce que Jovenel Moïse démissionne pour mettre à la disposition la justice haïtienne. Revendication, nous, c'est la même chose parce que nous disons, un, départ Jovenel Moïse sans condition parce que Jovenel Moïse est un président équipé. Jovenel Moïse a bien la corruption, madame a bien la corruption et nous disons que son état corrompu, c'est un système pourri, un système pèse sous ses. Nous rencontrons avec SDPA, avec DDO, nous dans la DDO, nous notifions pour tout ce maintenant, nous disons, nous avons occupé le béton pour tout ce maintenant. Je dis, depuis nous venons de place Papa des Salines, nous avons monté directement. Quand nous venons sous la LIA, nous avons cassé. Nous déterminés, je dis à faire 28 ans depuis l'armée d'Haïti te bat un coup d'État, premier président élu démocratiquement. Donc je dis là, les nous gardons nous qui ça travaille la police a fait dans la rue. Ils n'ont pas voulu nous manifester. Donc nous même nous demandé est-ce que c'est pour nous droit nous gagner pour nous manifester. Et monsieur policier, on a demandé nous pour nous prendre responsabilité nous. Et nous-mêmes, nous avons un signal. Nous avons un signal clair à Jovenel Moïse. Le peuple a déterminé, nous ne pouvons pas quitter la rue tout autant, Jovenel ou Baba et PIA. Le 30 septembre a été aussi l'occasion pour des militants de Famille Lavalas de dénoncer le coup d'État de 91 perpétré par les militaires contre Jean-Bertrand Aristide. Ils continuent de réclamer justice pour les victimes de ce putsch qui avait mis fin, selon eux, à leur rêve de voir concrétiser une ère de paix et de progrès en Haïti. Écoutons l'air au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Mais, revendication noire, c'est parce que nous connaissons aujourd'hui à la. Nous avons 28 l'année. 28 l'année, côté que vent a commencé à souffler bon pour nous et bien bien soufflé. Mais côté bas docteur Chabet Aristide, coup d'État, je vous dis à la nous-mêmes, nous disons nous ne sommes pas d'accord avec Jovenel inculpé. Son date ça, son date historique, son date en fait que si ce n'est pas docteur Chabet Aristide, nous t'avons mouru. C'est docteur Chabet Aristide qui t'a montré nous comment pour nous vivre, parce que nous sommes au monde. Nous te pensons que tous ces navires c'est vivre, mais pourtant, si docteur Aristide, nous disons, c'est comme ça pour nous vivre, c'est ça que nous-mêmes. Nous revendiquons le droit, nous, 30 septembre passé, jour là-bas, la signée, nous avons contre ça que tu as fait, c'est ça que nous voyons venir casser le mouvement. Je dis à la main de Jovenel, nous parlons de chita avec un capteur de peuple et fatra. Nous parlons de chita avec un capteur de peuple, dit les autres. Et je dis à nous, nous avons tout le temps privé là, ça fait, je dis à 28 ans, depuis que nous avons massacre. Il est formé ça déjà fait 28 ans, même jour, même date. Autre dossier, la pénurie d'eau et de carburant commence à se faire sentir dans la capitale et ses environs se plaignent à des résidents qui mettent en cause les récents troubles sociopolitiques du pays. Ils appellent les acteurs à s'activer en vue de la normalisation de la situation. Leurs propos recueillis par Mario Sylvain et Régard Noël. Mon Dieu, il n'y a pas de l'eau, tout le monde est sous des rangs, sous des lignes, il y a des promènes à galons, blé dans mes eaux, il y a des marchés de l'eau. C'est même crise gaz là. Parce que vous regardez, vous voyez, les gens avec galons, blé dans mes eaux, c'est de l'eau. Est-ce que les gens sont capables de vivre sans l'eau? Mon caca, c'est l'eau, c'est la vie, c'est premier bagage, mon bagage vivre sans l'eau. Ça fait beaucoup de gens arrivés dans toute manifestation qu'a fait
nous pas pour ton changement pour payer vraiment. Nous pas pour ton changement pour payer. Au lieu pour ton changement, pour payer, c'est ça le faire payer. Parce qu'à chaque fois, on va craser le musée. Et on va prendre pour reconstruire. On va prendre l'école, on va prendre l'hôpital. On va prendre ce qui est bagaille. Mais chaque gain là, déjà, on va dire pour craser. Que ce soit le gouvernement pour payer, ni même qui s'agace. Au lieu pour avancer, c'est. Trois semaines lors samedi là, là en bas bon matin, t'as pas travaillé en bas, juste en bas gros gens. Mais comme la bloqué depuis trois semaines, je joue lors ça. Les mecs travaillent côté, me bagarre touché. Bon, ma vie non car comme même les mois loin, c'est un cachet qui oblige l'homme pousser mes patrouilles dans la rue. Donc trois semaines ça, c'est pas bon pour nous en tant que. Trois semaines ça là, c'est le même que bon, c'est tellement terrible pour moi parce que bon, nous sommes en professionnel, bagarre le travail. Le temps de vous accueillir à la page internationale. Hors de nos frontières en France, l'ex-président Nicolas Sarkozy sera fixé mardi sur un renvoi en correctionnel dans le cadre de l'affaire Big Malion. La Cour de cassation dira mardi 1er octobre si elle confirme ou non le renvoi de l'ex-chef d'État et de 13 autres personnes devant le tribunal correctionnel. La tenue de ce procès avait été ordonnée en 2017, mais elle est suspendue depuis 2 ans et demi en raison d'une longue bataille procédurale. Une décision en mai du Conseil constitutionnel a toutefois rendu quasi inéluctable le procès de M. Sarkozy pour financement illégal de campagne électorale. Un délit passible d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende. Pour contester son renvoi, Nicolas Sarkozy avait brandi le principe du non bis in idem, selon lequel une personne ne peut pas être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. Il estime avoir déjà été définitivement condamné par le Conseil constitutionnel en 2013. L'instance avait alors confirmé le rejet de ses comptes à cause de ce dépassement qu'il avait dû rembourser. Toujours à l'étranger, le premier élu républicain du Congrès américain à avoir soutenu Donald Trump dans sa course à la Maison-Blanche, Chris Collins, désormais inculpé de délit d'initié, a démissionné lundi selon un porte-parole de la présidence de la Chambre basse. Chris Collins devait signer, fier mardi, sa volonté de plaider coupable. Selon le Washington Post, le départ de cet élu d'une circonscription de New York ne changera pas la majorité de la Chambre contrôlée par les démocrates depuis janvier 2019. Âgé de 69 ans, cet élu de la Chambre depuis 2013 avait été inculpé de délit d'initié et d'avoir menti à la police fédérale en août 2018 en pleine campagne pour sa réélection. Le procureur fédéral de Manhattan, Geoffrey Berman, l'accuse d'avoir transmis des informations confidentielles sur une entreprise australienne de biotechnologie Innate Immunothérapie obtenue parce qu'il siégeait à son conseil d'administration pour éviter à son fils et au père de sa future belle-fille de perdre de grosses sommes en bourse. Après avoir annoncé qu'il renonçait à briguer un nouveau mandat, Chris Collins était finalement resté en course et avait été réélu. Ici prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et RadioTélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 182, Télé Haïti, Nio TV, chaîne 54 et Bahamas Nassau, sur Kebo Bahamas, chaîne 384. Bonsoir.